Salut à tous, c'est Roi Rési, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sky Factory! Et on se retrouve, comme vous pouvez le voir, entièrement stuffé. Et vous vous demandez sûrement pourquoi, hein. Je vais vous le dire tout de suite. Mais avant ça, on va faire quelque chose que... Ah! Quelque chose que je n'ai pas réussi à faire au dernier épisode, hein. Il s'agit du Tiny Potato, et comme vous pouvez le voir, c'est le Tiny Potato Mask, hein, oui, vous avez dû gueuler devant votre écran là. Ah, il a fait un Tiny Potato Mask, mais c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Et regardez, j'ai fait un petit chant, rien à voir. Alors, le Tiny Potato, hein, de l'Achievement, c'était tout simplement une patate qu'on jette ici, et pim, j'ai un Tiny Potato. Voilà, qu'on pose. Et il est là. Il est là et qu'est-ce qu'il fait? Just be a friend. Il me suit ou pas? Pas du tout. On va le poser ailleurs. Parce que ici, il me gêne. On va le mettre à la base. Hein. Voilà. Alors... Tu vas aller... où c'est qu'il va, le petit Tiny Potato? Hein? Où c'est? Tiens, tu vas faire l'équilibriste ici. Allez, fais l'équilibriste. Ah, oh, c'est dégueulasse. Voilà, fais l'équilibriste, c'est bien. Et alors, petit Tiny Potato? En tout cas, nous avons accompli l'achievement que nous n'avions pas réussi au dernier épisode. Enfin, que j'avais pas réussi, hein, puisque c'est moi qui joue. Et c'est moi qui fais l'abruti à faire des Tiny Potato Mask. Et toi... Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, je vous avais promis qu'on allait voler. Eh ben, je ne suis pas sûr de tenir ma promesse. Tout simplement, puisque Hop. Pour voler, il nous faut le stuff Zivicho. Et le stuff Zivicho nécessite la Zivicho essence qu'on a avec l'extrême infusion essence et donc il nous faut une Nether Star. Une Nether Star, les gens. Et comment j'ai ça? Bon, ben, on va aller dans le Nether. Alors, j'espère que le Nether est. C'est pas un void. Parce que sinon, dans quel cas je suis dans la merde. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et ben, on verra bien. On verra bien. Alors, on va y aller. On va prendre... En tout cas, je sais que vous avez envie que j'aille dans le Nether. J'ai de l'Opsis, c'est très bien. Il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, normalement. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, il me faut un briquette. La briquette, où il est la briquette? Ok, il n'y a pas de briquette. Très bien. J'ai pas de briquette. Non, j'ai pas de briquette. Alors, on va faire un briquet. Touk. Touk. Et donc, je me suis stuffé full jam ces stuff. On sait jamais, hein, s'il y a... Parce que, comme vous avez pu le voir, il y a plein de mobs différents. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le Nether. Donc, là, j'ai un flint. Très bien. Très bien, tout ça. Hop, 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 le craft de base. Flint and steel. Et on va faire notre Nether ici. Est-ce qu'on le fait? Ouais, on peut le faire. Ouais, on va le faire par là. Là, ici. Très bien, ici. Juste une pioche. Une pioche. Alors, j'ai beaucoup farmé, hein, pour la faire, évidemment. Parce que... ah, mais attendez, je ne sais plus faire... je ne sais plus comment on fait. C'est comme ça? C'est 3 ou 2? Je ne sais plus. Non, c'est 3. Hein. Non, c'est peut-être 2. Bon, on verra. De toute façon, je crois que c'est possible de faire à 3 comme ça. Ah! Non, ouais, c'est 2. Hein. Oui, c'est bien 2. Ah! Ah, évidemment, je n'ai pas de pioche en diams. Allez, on va se crafter ça. Ah, est-ce que j'ai une pioche? C'est quoi, je l'ai, la pioche en diams. J'ai une pioche en thomium. Mining level obsidian. Mais c'est parfait. C'est parfait. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, cassons ça.
Tac. Oh, c'est long, c'est vrai. Celui-là et celui-là, et voilà. Alors, le jour commence à se coucher. Tac. Est-ce que j'arrive? Oui, j'arrive. Hop, 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 et hop. Et voilà, normalement c'est bon. Ta, tada! Nous avons notre petit portail. Alors comme je vous l'ai dit, bah, j'ai farmé pendant un moment hein, parce que l'XP... D'ailleurs, je vais prendre de la bouffe avant d'aller dans le Nether. L'XP, bah, c'est pas facile, facile à avoir non plus. Toi, tu restes là. Et bah, j'ai du XP, hein, vraiment pas mal, pas mal. Puisque comme vous pouvez le voir, hein, je suis protection 4 partout, power 4 et sharpness 5. Alors bon, il a fallu du level, hein, faut le dire. Ah! Allez, c'est parti, on va dans le Nether. Oh, décidément, aujourd'hui... Décidément. Alors, on va se stuffer parce qu'on sait jamais si ça pop direct à côté. On sait jamais, hein, peut-être qu'on tombe direct sur une forteresse du Nether. Et oh, comme je m'y attendais. Qu'est-ce que je fous avec ça? Hey, hey. Plein de trucs qui me servent à rien. Hop, hop, hop. Voilà. Ah, donc... ah oui, quand même. Donc là, c'est problématique. Et des deux côtés, il n'y a pas de forteresse. Ouf. Est-ce que les forteresses sont, apparaissent au moins? Ah, ça va être problématique tout ça. Eh bien, écoutez, je vais poser des blocs jusqu'à trouver une forteresse. Je fais une petite ellipse et je vous dis à tout de suite. Re tout le monde et me revoilà mort plusieurs fois. J'ai dû farmer comme un malade pour récupérer tout mon stuff à chaque fois, c'était vraiment hardcore. Et je vous le dis tout de suite, bah c'est pas facile du tout. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Direction le Nether. Alors j'ai trouvé. Aïe aïe aïe, attention. Hop là, les petits loups. Salut, petit loup. Et alors? Et alors, le petit chien, il a peur? J'ai trouvé au fond, en allant toujours tout droit, hein, j'ai trouvé une forteresse. Et figurez-vous que, ben, en allant tout droit, je n'ai eu aucun souci. Oh, une tête de loup. Sauf que quand j'ai fait demi-tour, tout ça avec spawn, problème, c'est que. Ben, à cause des cochons, j'ai du mal à taper, mais ben, on va y aller quand même, hein, parce que les loups, ils sont un peu casse-couilles. Et ils m'ont jeté plusieurs fois dans le vide, donc oui, il y a aussi des petites araignées, et des creepers aussi. Faut juste que je fasse très attention de ne pas taper un pigmen, parce que là, je crois que je... Oh, joli chapeau. Allez, tombe, tombe, tombe! Normalement, il fait spawn plein de petites araignées. On va y aller tranquillement. Aïe 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 aïe, je peux pas le taper, il est où? Il est où? Ah, il m'a mis le feu. Enfin non, c'est pas feu, c'est... Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Ah! J'ai peur de taper les pigmen, hein, c'est fou. Ou alors, on va en... Allez, on va courir, on va courir. Vas-y, vas-y, j'en ai rien à foutre. Aïe 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 aïe. C'était peut-être pas une bonne idée. Ah! Au secours, non, non, je vais mourir. Non, je vais pas mourir. Il a ma couronne. Qu'est-ce qu'il fout? Ah! Ici, c'est bon, on est bon là. Vas-y, venez. Venez, bande de bâtards. Ah, j'ai pas prêt à manger. Ah non, j'ai pas prêt à manger. C'est problématique ça. Donc, ils m'ont pas tous suivi. Alors, c'est des nouveaux mobs hein, qu'on ne connaît pas naturellement. Hop, dégage. Oh, il m'a pas eu. J'ai pas compris. Il m'est passé au-dessus, il m'a marché dessus, il s'en bat les couilles. Par contre, le fait que j'ai pas de bouffe, c'est problématique. Est-ce que ça se mange ça? Non, pas du tout. C'est vraiment problématique. Hop là, les chiens. Dégage, dégage. Aïe, 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 aïe. Je vais mourir. Hein.
Je vais clairement mourir, c'est pas grave, j'ai pris du stuff de rechange. Je me suis battu pendant des jours et des jours pour vous donner du stuff. Aïe, aïe, un creeper là-bas. Ah non, c'est pas un creeper. Et voilà, bon, on se retrouve au niveau du Nether, hein, à tout de suite. Re tout le monde. On retourne dans le Nether. Et voilà, après plusieurs heures de travail, voilà ce que j'aurais dû faire depuis le début, mettre des dalles en fait, hein, pour pas que ça spawn. Heureusement, mon petit chien était là pour m'aider. Hein, merci, et merci, et merci, hein. N'importe quoi. Donc on va avancer, normalement il n'y a plus de mobs, c'est bon. Eux, c'est des passifs qui sont restés. Alors oui, j'ai un peu triché, hein. Bon bah écoutez, c'était impossible sinon. J'ai mis en peaceful et j'ai fait tout le reste à la main, mais bon... voilà, sinon c'était vraiment trop dur, c'est beaucoup trop long. Vous voyez comme le chemin est long jusqu'à la forteresse que j'ai trouvé vraiment par hasard, hein. Je comptais abandonner et finalement, je l'ai trouvé. Mais c'est vraiment au hasard, allez on y va, on se dépêche. Alors après on fera un peu de... enfin, on échantillonnera un peu tout ça et encore un. Je sais pas ce que c'est, hein, ces petits cochons. Je sais pas si... ils ont beaucoup de vie. Mais je pense pas qu'ils attaquent si on les attaque. Je sais pas si c'est pas des comme les pigmen. J'espère pas. Genre si tu les tapes, il y en a plein qui arrivent. Enfin bref, pour l'instant, c'est pas notre problème. Puisqu'on ne va pas les taper, on doit aller à la forteresse. Et je vous rappelle pourquoi. Pour avoir les têtes de Wither Squelette. Donc c'est relativement compliqué encore. Hein. Ah, une torche. Alors, voyons voir. Wow, oui, évidemment. Tiens, j'ai du stuff. Qu'est-ce que c'est? Gluttony Shard. Bon, évidemment, vu que c'est le seul endroit spawnable, c'est là où il y en a le plus. Ouh là là, il va y avoir beaucoup de mobs aussi. Donc, hop, on va essayer de... ah, j'aurais dû mettre une Fire Protection, j'ai pas pensé, c'est vrai. Le Nether est sans Fire Protection, évidemment. J'aurais préféré que tu me donnes le stuff. C'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va y aller tranquillement. Wow! J'ai dit tranquille. Oh! Oh, mais il est trop beau! Ah non! Énorme. Il était vraiment trop beau. Toi. Aïe. Je prends feu. Évidemment, on est dans le Nether, donc pas de pseudo pour nous. Il n'y a rien ici. Ouais. Si les... ouais, mais non, on en a plein des selles. Pas le caca, hein, les selles de... donc on va descendre, on va chercher des Wither Squelettes. Je vais essayer d'en trouver quelques-uns. Ah, voilà. Un Wither Squelette. Ah, il y a du monde. Wow, calmez-vous. Heureusement, je suis quand même relativement bien protégé. Assez pour survivre. On récupère les Blaze Rods aussi parce que ça va nous être utile, hein, à chaque fois. Hop là, il y a un Wither Squelette là. Je crois que je t'ai pas vu. Me fais pas trop reculer, s'il te plaît. Ah, il m'a touché en fait, j'avais pas vu. C'est pas grave. Là, un autre. Donne-moi une tête de Wither Squelette! Oh fuck. Ils veulent pas me donner de tête de... on va essayer de pas tomber, je vais essayer de pas mourir. En même temps, ça va me faire un peu d'XP, c'est cool. Je vais aussi essayer de pas me perdre, hein, parce que elle est relativement grande, la forteresse. Les magma cubes, hop. Meurs. Ah! Est-ce qu'on gagne des... non, on gagne pas de slam ball, là. Si, c'est quoi ça? C'est des slam balls. Ah oui, on gagne des slam balls, cool. En ville aide. On a des chapeaux aussi. Hein. On fait une nouvelle collection de chapeaux. Ah, il fait des yeux là, lui. Aïe, il y a un wizard. Ah. Mais d'où ils viennent? Un squelette! Lui, il a une coupe afro. Merde, je me fais niquer là. Calmons-nous, Gélie.
manger un petit peu. Allez. Je vais voir un peu le stuff qu'on gagne. Donc des slime balls, ça c'est cool. Des slime perles, je sais pas ce que c'est. Blaze head. J'ai pas de tête de wither squelette. Donc on va, bah, je vais farmer les têtes de wither et je vous dis à tout de suite. À notre base, parce que bon, voilà. Re les amis, nous sommes ici avec 4 Wither Skull, nous en avons besoin que de 3, mais 4 c'est très bien aussi. D'ailleurs non, c'est pas très bien parce que si je meurs, je vais en perdre un inutilement et c'est assez dur à avoir. Alors on va le jeter, voilà, on le récupérera dans l'autre monde. J'ai fait une petite plateforme histoire de pas, enfin d'avoir la place, mais je suppose qu'on l'aura pas, que ça va tout détruire, donc ça risque d'être assez compliqué. Ça va, j'ai une flèche. Alors, bon, vous êtes prêts? Donc, ah, on en a posé un. On a posé le deuxième. Et attention. Hop là, attention, attention, ça commence. Voilà, allez, attention. Ah bah oui, évidemment, j'avais oublié la petite explosion. Ça commence bien. Ça commence bien et merde. Bon, ben on n'est pas dans le caca. Bon voilà, le problème... Voilà, le problème avec le Wither, c'est que je peux pas me permettre... Wow! Wow, calme-toi. Wow, mais il est vénère! Mais il est vénère! Je ne peux pas me permettre de le... Aïe, 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 aïe. Oh, mais je peux rien faire. Alors, je... Ah, il n'a pas l'air de détruire... Ah, évidemment. La... Le téléphone qui va bien. On boit les potions. Ah mais il a pas l'air de détruire, d'accord. Bon bah c'est bien s'il détruit pas. Bon par contre il est très moche avec le pack de texture. Ça va, je m'en sors relativement bien, allez c'est bon. Avec les potions ça va mieux. Heureusement que j'avais des potions, hein, que j'avais looté. Alors le petit fail de tout à l'heure, bon bah désolé. Hein. Allez, on le tient, on tient le Wither. On ne tient rien du tout. Oh, je vais manger ma golden apple. Allez. On prend cher, hein. On prend cher, on prend très très cher. Ah putain, il est invincible, ça y est. Aïe aïe aïe, ça y est, il commence à détruire les blocs. Ah l'enculé. Ah. Ah. Non. Vite, vite, vite. Il me reste du stuff, il me semble. Oui, il m'en reste. Heureusement que j'avais farmé, j'ai bien fait. Des flèches. J'espère qu'il va pas s'enfuir. Hop, on s'en fout, on garde tout. Hein. Les popos, c'était ici. Potion de régénération. Potion de fire résistance. Et j'ai pas... Ah, potion feeling. Arming, c'est quoi déjà? Instant de damage. Non, non, merci. Donc ça c'est bon. Ok. La pomme d'or. La pomme en or. Important. On va en prendre deux. Allez, c'est parti. On retourne. J'espère qu'il s'est pas enfui. Sinon c'est problématique. Où il est? Il récupère ses vies. Oh là là, ça se... Bah oui, du coup ça spawn. Il est là-bas, il est là-bas. Fire résistance. Non, pas régénération. Allez, allez. Ah, il se renvole. Ah, ça y est, il m'a vu. Dégage. Oh. Ah. Je l'ai eu. J'ai pas eu la Neverstar, t'es sérieux?
Bon, on se casse. Ah, j'ai pas eu la Never Star, mon dieu. On va se la give, hein, parce que là, là c'est de l'arnaque. C'est clairement de l'arnaque. Hop, on se casse. D'accord, du coup, il y a un deuxième portail qui s'est ouvert. Ah, merde! Bon, putain, on a gagné des EV Choice Essence, carrément. Ah ouais, d'accord. Et hop, attendez, juste je veux voir un truc. Je peux en faire 3. Est-ce que... Ah, je suis en train de me demander quelque chose. On peut avoir les Diamond Seed avec. Mais je suis en train de me demander, est-ce que je peux pas faire du stuff avec ça? Oui, je peux faire du stuff avec ça, hein, déjà, clairement. Hop, comme ça. Mais est-ce que ça me permet pas juste un stuff de voler? On va essayer. Je vais essayer. Je vais faire... donc c'était quoi, hein? C'était du fer, il me semble. Du fer et des golden nuggets. Donc hop, on prend de l'or. On prend du fer. 9 golden nuggets. Donc on a dit comme ça. Comme ça et voilà, comme ça. Hop, hop, hop. Et ça nous en fait 6. Avec 6, on peut faire allez, le casque. Le casque qui nous permet de voler, hein, normalement. On va voir si ça marche. Pas du tout, il faut le stuff complet. Bon, on a déjà le casque, c'est déjà bien. Il nous reste une Zivicho essence, mais au moins on va pouvoir faire la Zivicho maintenant. Je vais me la give. Voilà, on a notre Nether Star. Et alors, on avait vu, hein, c'est hop, essence. Essence, essence, essence. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est là. Hein. Crucio essence, Axio essence. Et moi, je veux la Zivicho essence. Non, c'est pas les essences que je veux, merde. C'est les... voilà, les extrêmes infusions. Donc extrême infusion. Non, oui, c'est ça, extrême infusion qu'il me faut. Donc il me faut une strong infusion. Alors, est-ce qu'on a ça? Strong infusion, on l'a. Ensuite, hop. Infusion. Non. Pas infusion. Heine! Infusion. Merci. Alors, on a dit. L'extrême infusion. Ensuite, il me faut de l'unstable ingot. Un stable god qu'on fait avec une division sigil activée, une iron et un diamant. D'accord, donc on va prendre ça. Hop, on va déposer. On va déposer ça. Ça. Hop. Voilà. Donc, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Hop. Et hop. Voilà, alors, donc je vous rappelle qu'on avait eu des divisions sigils ici, qu'on avait eu dans les coffres à mobs, hein, les trucs, bah ça, voilà, les loot bags. Par contre, il va falloir l'activer. Alors pour ça, pour l'activer, il va me falloir une pioche déjà. Est-ce que j'ai une pioche? Ah, est-ce que j'ai une pioche? Je n'ai pas de pioche. Pas de pioche en obsidienne. Il me faut de pioche capable de casser de l'obsidienne. Bon, on va faire ça. Allez, encore du diamant. On gaspille le diamant. C'est pas grave, j'en ai beaucoup. Alors, du bois. Ça, je vais poser. Pour l'instant, je m'en sers pas.
On réparera le reste après. Non, c'est bon, j'ai des... voilà. J'ai des sticks. Oh. Je tremble à cause du... Mon dieu. Je tremble à cause du Wither. Qui m'a bien fait mal, hein. Hop là. On récupère ça. Ensuite, si mes souvenirs sont bons, il me faut de la redstone. Alors la redstone, c'est ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me fallait? On va aller le poser. Et on va voir ce qu'il me fallait. Tout, tout, tout. On va aller tout au fond parce qu'il faut de l'espace. Voilà. Comme ça. Il faut mettre la redstone tout autour. Tac, tac, tac. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? La division civile. Hop. Non, c'est comme ça. Voilà. Altar has redstone, c'est bon. Altar must not be lit by outside source. Too early sacrifice. Il me faut un sacrifice. Alors, pour ce faire, on va aller dans notre petit champ. On va prendre un mouton. C'est très bien, les moutons. Il me faut... Hop. Non. Parce que sinon, je vais, si j'ai plus de moutons, je suis foutu. Il m'en faut un autre. Merci. Alors, toi, tu vas venir là. Et toi, tu vas... Allez, faites des bébés. Voilà, c'est très bien. Et il est où le bébé? What the fuck? Allez, viens là. Viens ici. Maintenant qu'on a le bébé, on va l'enlever. Ça va faire... On gardera la maman et le bébé pour faire d'autres bébés. Hein, incest power. Non, toi, tu sors pas. Et toi, tu me suis. Voilà, merci. Tu vas servir de sacrifice. Non, mais suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Allez. Allez, petit mouton. Allez, tu vas servir de sacrifice. Allez, bouge ton cul. C'est bon, il me suit. Allez, viens là. Viens là. Viens là. Viens là. Ouh, j'ai bien, mon petit bouton, j'ai bien. Monte là-dessus. Voilà. Et, at midnight. D'accord, il faut attendre minuit. Donc, on va attendre minuit et à tout de suite. Allez, on va l'emmener. Il reste plus que le sacrifice. Et normalement, ça devrait être bon. Donc, tu vas là. Viens là. Monte là-dessus. Allez, monte. Et monte! Non! Reste là! Ah, qu'est-ce qui est too late, sacrifice. Oh non, trop tard. Bon, on va attendre. Et voilà, il est 23h. Donc, le sacrifice va commencer bientôt, hein, dans une heure. Désolé, sacrifice. Je t'aurais aimé comme un homme peut aimer son mouton. Mais tu vas mourir ce soir, à minuit, dans une demi-heure. Évidemment, pas une demi-heure de IRL, hein, une demi-heure dans le jeu. Tu es prêt? Es-tu prêt? Bon, j'espère que ça va marcher, hein, deuxième tentative. On ne sait pas, hein, je ne sais pas. Je verrai. 50, 51, 52, 53. Attention, à minuit. Il est minuit, c'est parti! Quoi? Pourquoi ça marche pas? Non! Non! Ça marche pas! Pourquoi? Vite, vite, vite! Dépêche-toi, je vais en prendre un autre. Il a l'air abîmé celui-là. Ah! Ils disent que tout est bon! Mais pourquoi ça marche pas? Fuck! Il est 39, c'est encore l'heure. Je m'en fous, dégagez. Il y a un creeper. Ça ne marche pas. Ok, ok. Ah, oh merde, enculé. Il a tué Sacrifice. Non.
Fuck, bah on fera ça la prochaine fois, hein, tant pis. Oh, une côtelette. Merci de m'avoir suivi dans cet épisode mouvementé, cet épisode qui va me donner beaucoup de montage à faire. Du coup, ça pop en masse. Hein. N'oubliez pas d'aimer l'épisode si ça vous a plu. N'oubliez pas de le partager. Merci à tous. Bye bye.